Bonsoir chers compatriotes congolais, cela dépend de l'heure qu'il fait là où vous êtes en ce moment. C'est encore moi votre frère Jean-Marie Vianney Mupenda. Je viens encore auprès de vous parce que, comme je l'ai dit la fois passée, dans une autre émission, la situation à l'Est est en train de me préoccuper au plus haut niveau. La recrudescence des massacres au niveau de Béni. Les gens sont en train de fuir leur village. Et les autres sont en train d'être égorgés encore une fois de plus comme des lapins, comme des chèvres. Au niveau de Goma, les M23 sont en train de bombarder des civils. Et les gens sont en train de courir dans tous les sens pour se protéger. Alors, on reçoit la pression partout de la communauté internationale, de l'Ouganda, du Rwanda et de plusieurs personnalités pour dire il faudra que le gouvernement congolais puisse négocier avec le M23. Est-ce que vraiment négocier avec le M23 pourra vraiment amener la solution? Et c'est ça la question à laquelle nous allons répondre maintenant. Alors, pour répondre à cette question, j'ai mené mes recherches de savoir d'abord, qu'est-ce que les M23 revendiquent? Ils revendiquent ce qu'ils appellent les accords de Nairobi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les accords de Nairobi? Alors, le document est là. Pour tirer une conclusion, nous n'allons pas lire tous les documents, mais nous allons lire l'essentiel. À l'article 5 de leurs accords, il dit ceci. C'est un accord qu'ils avaient signé avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et je crois dans une vidéo précédente, je vous ai démontré que Joseph Kabila, c'était un étranger. Ce n'était pas un Congolais. Il nous a dirigé pendant 18 ans et la majorité de nous, les Congolais, on ne savait même pas qu'il était étranger. Mais les chercheurs l'ont démontré et il n'était pas au Congo pour vraiment le bonheur de notre pays. Voici ce que Joseph Kabila avait signé avec les rebelles du M23, en réalité, qui ne sont pas des Congolais, parce qu'actuellement, même l'ONU a trouvé des preuves qu'en réalité, ce sont des militaires rwandais qu'on appelle M23, la République démocratique du Congo. Voici ce qui est dit à l'article 5. Du fait des guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures, du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement. Suite au déficit d'une paix durable et de la sécurité durant les dernières décennies dans l'Est de la République, le gouvernement s'engage à décréter la partie Est de la RDC, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ho-Ouele, Maniema, et Tanganyika comme étant une zone sinistrée. À ce titre, la zone déclarée sinistrée devra jouir de un statut administratif particulier, 2. Des plans de développement spécial, 3. Des concepts opérationnels particuliers pour sa sécurisation, 5. Des programmes spécifiques de sécurisation pour la concrétisation des différents accords régionaux et notamment le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs signé à Nairobi le 15 décembre 2006, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Alors, quand vous écoutez ça, ça veut dire quoi? Imaginez les M23 qui sont aujourd'hui connus par tout le monde, même les Nations Unies, que ce sont des militaires rwandais qui opèrent au Congo, à qui on donne les casques des rebelles congolais. C'est déjà démontré avec des preuves à l'appui. Mais il réclame toute cette partie de l'Est, ce calme à l'Est du Congo, que ce soit une zone tambo, une zone spéciale qu'il veut administrer
indépendamment du reste du Congo. Ça, c'est ce qu'on appelle la balkanisation. C'est ce qu'il réclame. Article 7. Afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et ceux considérés comme tels, le gouvernement de la RDC s'engage à les faire participer à la gestion des institutions nationales par le biais de gouvernement central, diplomatie chancellerie, entreprises publiques, gouvernement provinciaux, état-major général, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? À part le fait que, eux, on va leur donner la partie de l'Est. Mais il faut aussi qu'on prenne certains d'entre eux pour aller participer dans le gouvernement central. Ils doivent être dans le gouvernement, ils doivent être dans l'armée, ils doivent être dans les services de sécurité, etc. Les M23, les étrangers qui viennent du Rwanda. Alors, vous comprenez que ça c'est un arrangement avec les Rwandais, les M23, et un faux Congolais qu'on avait placé à la tête du pays, comme je vous l'avais démontré dans la vidéo précédente, un Rwandais Kabila, pour faciliter la division de notre pays. Et une chance que nous avons un président, Son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, qui a refusé, qui dit il n'est pas question d'appliquer cet accord. Et quand on veut insister, il dit il n'ira jamais à une négociation avec ces terroristes. Parce que ça, c'est une injure pour les Congolais. Je dirais même que c'est une escroquerie. Donc, ce document est un plat d'escroquerie du Rwanda et de l'Ouganda pour nous escroquer notre terre. Et on veut le faire avec la signature, l'application du gouvernement congolais. Un Congolais responsable ne peut jamais, jamais appliquer un accord comme celui-ci. Et ça, c'est une provocation. Et puis, ça doit offenser tout Congolais qui se respecte. Alors, un autre scandale dans cet accord se trouve à l'article 9 et à l'article 14. Quel est ce scandale? Écoutez, article 9. En vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à promulguer une loi d'amnistie pour les faits de guerre et faits insurrectionnels couvrant la période allant du 7 mai 2009 jusqu'à la fin de la mise en œuvre de l'accord, et c'est conformément au droit international. Qu'est-ce que cela veut dire? Fait insurrectionnel, c'est-à-dire que le M23 soit amnistié. Ok. Et comme nous avions lu dans un document précédent, dans une vidéo précédente, que le M23 sont à majorité Tutsi. Ça, c'est le journal Le Monde qui l'a confirmé, ce n'est pas moi. Le M23, c'est un mouvement à majorité Tutsi, exactement comme le AFDL de l'époque. Lisons maintenant l'article 14. L'article 14 dit ceci. Pour mettre fin à l'impunité au sein de l'armée nationale, et c'est conformément à l'article 12 du rapport spécial du 27 février 2013, du secrétaire général des Nations Unies sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, le gouvernement de la RDC